7 jours, 7 déesses, 7 chakras. Après les 21 premiers ateliers, nous arrivons à la fin du cycle numéro 1 et nous sommes en semaine 4, le Tantra, l'art de l'extase naturelle. S'éveiller et découvrir qu'on est amoureux de la vie. Cette semaine, nous pratiquerons un éveil de nos chakras. Cinquième chakra, Vishuddha, le chant de l'âme. Le mantra tantrique, je suis le créateur et la création. Le yantra, l'image pour méditer, est une étoile filante. Nous allons nous préparer pour une méditation guidée. Nous avons choisi un endroit confortable. Nous nous installons, couchés ou assis. Et après avoir bien soigné notre position, nous fermons les yeux et écoutons notre rythme respiratoire naturel, celui de ce moment précis. Puis à chaque inspiration, nous prenons conscience que nous aspirons l'énergie vitale, le prana. Et à chaque expiration, nous laissons le prana se répandre dans notre corps. Maintenant, nous portons notre attention sur Vishuddha, au niveau de notre gorge. Et nous y déposons nos mains. Nous nous sentons respirer dans cet endroit de notre corps. Vishuddha est la voix de notre cœur. Vishuddha suscite l'enthousiasme. C'est lui qui permet la clairaudience. Aujourd'hui, nous choisissons d'être intimes avec Vishuddha. En respirant pleinement dans notre gorge, nous acceptons de laisser son énergie s'équilibrer. Son énergie s'épanouir. Nous acceptons de vivre l'aspiration spontanée. Nous acceptons d'exprimer notre talent unique. Nous acceptons d'accéder aux perceptions plus subtiles. En inspirant, nous prenons conscience de l'extase qui naît de l'aspiration.
En expirant, nous sentons le silence entre les mots. Nous sommes maintenant en résonance avec le chant de notre âme. Résonne en nous la voix de notre vérité. Par ce son, nous nous épanouissons. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, une occasion s'offre à nous d'exprimer le mystère de la vie. Nous devenons la voix de notre silence intérieur. Nous prenons maintenant un moment pour sentir tout notre corps, de la tête aux pieds. Puis nous laissons s'installer notre perfection du moment. Et nous revenons à notre souffle au niveau de notre poitrine. Dans ce mouvement qui monte et qui descend. Il est temps de nous préparer lentement à revenir à l'instant présent. En prenant conscience du support sur lequel notre corps s'est déposé. En prenant conscience des bruits de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Et dans quelques instants, nous reprendrons l'état de conscience adéquat pour continuer le déroulement de ce jour.